quand on fait cet exercice-là, normalement, vous avez dû comprendre, on est dans le 1 contre 1. Donc, je ne peux pas me tourner là-bas. Restez de face quand vous gérez votre ligne. Restez de face pour pouvoir attaquer là-bas, pour pouvoir foncer. D'accord. Si vous ne voyez pas, vous allez perdre du temps, vous ne verrez pas. Ok. Là maintenant, on va pas faire les trois dribbles, on va faire deux dribbles. Devant et derrière. On alterne ça. Regardez les épaules, je bouge le moins possible douce. Voilà quand est-ce que ça va arriver. Vas-y. Bah, vélo ralenti. Fais ton draw, vas-y, vas-y. Quand le joueur est là, le défenseur est là. Donc, les joueurs comme Steph Curry, ils tirent très vite. Lorsqu'ils voient que le défenseur a les bras là, ils rentrent dans le split et ils rentrent dans leur drop shoot et ils tirent tout de suite. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. Attends, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez lire le jeu quand vous allez faire votre fixation. Lui, qu'est-ce qu'il décide? Qu'est-ce qu'il décide? Comment il est placé? Quand les gros shooters, ils voient que le gars n'a pas les bras en l'air, ils shootent. Ils ne se posent même pas la question. Là, boum, ils tirent. Et il y a une, pour vous, ça va être compliqué ça. Mais par contre, dans le jeu, si vous venez fixer ici et que le joueur là, au moment où vous faites votre drop, parce qu'il recule dans ce drop là, parce que quand vous êtes en train de splitter, vous avez vachement du temps en réalité, parce que regardez, là vous allez faire votre drop, c'est votre split, là voilà, là il a reculé, j'ai déjà fait mon split, donc j'ai plus qu'à tirer. Si au contraire, il ne recule pas, il colle ici là, là je vais. C'est dans votre temps d'hésitation où ça va se jouer.